J'ai eu le concours commun des ponts et chaussées, je suis ingénieur en aéronautique aussi et j'ai un doctorat en mathématiques. Est-ce qu'il serait possible de m'aider à trouver du travail? Ça fait 20 ans que j'en cherche depuis... la fin de mes études, l'intégration, les droits de l'homme, la République, l'égalité, tout ça, je ne m'y retrouve pas. Je n'arrive pas à y voir clair, vous voyez? La dame m'a dit, ah, oui, on est là pour ça. Tu dégages ta joie, salope. Non, pour être honnête, je me suis contenté de le penser, je ne l'ai pas dit. Je regrette d'ailleurs, j'ai manqué de courage. Donc je vais vous la refaire, parce qu'en voir la tête de certains, ça a dû leur rappeler quelques bons souvenirs. Allez, je vais vous la refaire. Oh, oui. Oh là là, on est là pour ça. Elle m'a pris un rendez-vous avec une psychologue. Elle me cherche, elle me trouve, c'est mathématique. Je me suis dit, on va s'amuser, on va rigoler. Ça fait longtemps que je n'ai pas rigolé comme ça. Vous allez voir, on va se prendre la gueule. Elle me cherche. Mais on s'en fout, on va rigoler. Elle me cherche! Je me suis dit, elle a peut-être raison. Après tout, c'est pas facile à le croire. Je parie que même vous, vous ne le croyez pas. Je vous crois. Bon, alors, je vais vous la refaire. Chaque fois que j'y pense, ça me fait cet effet. Excusez-moi, Janet. Il va falloir que je vous... Le jour après, ça va être dur. Pour vous faire rire en plus. Pas une pause. Il y a 1h45, maintenant je suis allé je leur ai dit, je suis central. Ah non, pas commissariat, non. Vous n'y êtes pas là. Ni la prison, non. J'ai le coco comme un déposé. Oh mon Dieu, merci, je ne dors pas encore sous les ponts. Je suis ici. Ça peut aller. Bien, je sais pas pourquoi. Je suis ingénieux. Vous savez, les gars qui font tout, qui travaillent avec la tête quand. Quand ils sont gros, ou quand ils peuvent. Excusez-moi, j'ai dit. En aéronautique, oui. Oh, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui est. Mais, c'est niqué. Oh, c'est niqué. Mécanique du vol. Oui, les techniques du vent. Oh, laissez tomber les enfants. Excusez-moi, j'ai dit. J'ai un doctorat en mathématiques. Oui, en mathématiques, c'est ça. Oui, je suis docteur, ça se voit pas. C'est tout. Mais est-ce qu'il serait possible de m'aider à trouver du travail? Ça fait 20 ans que je recherche depuis la fin de mes études. J'aimerais pouvoir me lever une fois. Utile le matin pour moi.
voir ce que c'est? L'intégration, les droits de l'homme, la République. Qu'est-ce que je veux dire? La République, c'est énorme. Ça ne s'invente pas, la République. L'égalité, tout ça, je ne les retrouve pas. Ah si, si, je ne les retrouve pas. Je n'arrive pas. Ah, il faut voir clair. Vous, j'ai joué le jeu, j'y suis allé. Elle avait forcément raison. Elle ne pouvait pas comprendre. Je me suis quand même dit qu'à y réfléchir deux fois, elle aurait pu comprendre que c'était pas moi qui n'avais besoin d'un psy, mais la société. Rien que ça. Le problème, c'est, comment vous dire, c'est réfléchir, trop compliqué pour elle. Bref, je suis arrivé au rendez-vous, j'ai dit je m'appelle Mustapha, j'ai un rendez-vous avec vous, je m'appelle pas Rachid, j'ai 40 ans et je ne suis pas fou. C'est terrible de venir et d'être obligé de se justifier, je ne suis pas fou. C'est fou, non? Excusez-moi, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Le monsieur à côté de la dame rose, à droite, non, à gauche. Oh, peu importe, à gauche, à droite, qu'est-ce que ça change? Non, mais c'est vrai. C'est pas en plus. Non, mais pour vous dire, je vais vous dire. Chaque fois que je suis en face de quelqu'un, ma droite, c'est déjà sa gauche. Ça peut pas aller. Bon, d'accord. Non, le monsieur à côté, là, à l'instant, il a parié. Vous autres, ça va, vous êtes morts de rire depuis le début, mais lui, il a parié. Je l'ai vu, là, il a parié. Et pourtant, je veux dire, j'ai rendez-vous avec vous. Je m'appelle Parachide. C'est drôle, non? Vous n'avez pas la télé, monsieur? Non, mais attendez, il faut un minimum de culture audiovisuelle pour comprendre mes textes. C'est ma seule source d'inspiration. Je me tue à répéter, mais vraiment, on s'en fout. D'accord, bon. Donc, la dame m'a dévisagé du regard avec des yeux qui dégouillent et qui pleurent. La pitié m'a dit... C'est sûr. Je lui dis non, c'est pas sûr. C'est sérieux, madame, je ne... Je suis pas fou. Alors, non, je me suis contenté de le penser là non plus. Je regarde d'ailleurs, j'ai manqué de courage, je lui ai pas dit. Donc, ses yeux étaient de plus en plus gros, les larmes de plus en plus petites, je lui ai dit. En se laissant tomber. La vie de ma mère, j'ai toute ma tête, et c'est là. Le problème, je vous dis maintenant. Madame, je ne suis pas fou. Elle m'a dit. Ça se voit. J'ai dit chouette. Je me suis dit chouette. J'ai réussi à la faire penser qu'elle sert à quelque chose et exaucer une providence soudaine que j'ai eue en arrivant. Comme mon côté humaniste ne pouvait contenir un ton. L'idée à conforter ses sentiments concernant mon état psychologique et surévalué par la même sa conscience professionnelle et son devoir accompli. Je n'ai remis le coup, j'ai dit ah, je suis pas fou. Oh là là, la vie de ma mère. Regardez-moi, madame, je suis pas ma boule. Elle me voulait. C'était une belle pièce. Elle a pas aimé. Pour une charme aussi, je lui ai dit, elle a pas aimé, j'ai pas insisté.